Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode d'ActuCube. Donc avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. En premier, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Donc voilà, on est 230 dessus, on est vraiment très très actifs. Et vu qu'en ce moment ça stagne un peu au niveau des arrivées, je vous invite tout simplement à le rejoindre, vraiment on est super actifs dessus. Et en deuxième, j'ai aussi remarqué que vous êtes plus de 40% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc voilà, si c'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément et surtout ça me ferait super plaisir. Sur ce, on commence avec la première actu. En premier, Clément Cherblanc a résolu un cube à 4102 mètres d'altitude en haut de la barre des écrins. Donc c'est assez impressionnant, je sais pas si c'est un record du monde à cette altitude, mais en tout cas c'est très très beau à voir, il y a vraiment une magnifique vue. Donc si ça vous intéresse, la vidéo est en description. En deuxième, Matty a battu le record de la Monkey League, il a résolu un 3x3 en 3,12 secondes officiellement, donc c'est pas officiellement, ça compte pas dans la WCA, mais en tout cas, ça a compté dans la Monkey League, et c'est tout simplement le record de toutes les saisons confondues, donc si ça vous intéresse, bien sûr, la vidéo est en description, c'est vraiment super impressionnant. En troisième, The Cubicle a unboxé le Moyu Weilong AI. C'est tout simplement le cube connecté de chez Moyu, donc à voir si sa concurrence l'Egan I. Mais en tout cas, c'est très intéressant à voir et en plus, il a l'air vraiment d'être très performant. Je vous invite à aller voir la vidéo en description si ça vous intéresse. En quatrième, Greg, donc c'est pas Greg Speedcubing, mais Greg Chanel, a posté une vidéo comme quoi ça serait la fin de sa chaîne. Donc c'est le gars qui a fait le 33x33, le plus grand Rubik's Cube du monde. Et il a tout simplement dit qu'il allait au moins arrêter les vidéos en rapport avec le Rubik's Cube, parce qu'il en avait fait à peu près le tour. Si vous voulez aller voir la vidéo entière, bien sûr, le lien est dans la description. En cinquième, grosse mauvaise nouvelle, c'est les World Championships de 2021 de Rubik's Cube qui ont été annulés. Ils devaient se dérouler du 28 au 31 décembre à Amsterdam et je devais y aller, mais du coup ça sera pas le cas. Par contre, je suis censé participer au GST Open 2021 qui aura lieu fin août et normalement je pourrais vous faire un vlog dessus s'il est pas annulé, malgré qu'il y a quand même de grandes chances qu'il le soit. En tout cas, on croise les doigts et j'espère vraiment que ça aura lieu parce que ça fait quand même 2 ans que je fais de cube et je n'ai toujours pas fait de compétition. Et pour finir en beauté, on a Zian Kanani, donc je sais pas si je prononce bien, qui a battu le record du monde de moyenne au 2x2 en faisant 1,13 secondes de moyenne, donc c'est super impressionnant. Vraiment, il le résout instantanément, le 2x2, c'est assez ouf. Si vous voulez voir toute la vidéo, bien sûr, elle est encore une fois en description. Et voilà, cet ActuCube est déjà fini, donc j'espère qu'il vous aura plu malgré qu'il soit vraiment court, il y avait vraiment peu d'actu ces deux dernières semaines. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à commenter si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut !